installés un peu partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, les Congolais sont représentés au niveau national, au sein du gouvernement, par un vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger. Antoine Boyamba, c'est son nom, et c'est lui notre invité pour ce nouveau numéro de Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. Monsieur le vice-ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire honneur de participer à cette émission sur Numérica Télévision. On sait que vous étiez un habitué de Tropicana Télévision. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous n'avez plus remis vos pieds dans nos locaux. 10 années, plus de 10 ans, ça fait quand même beaucoup de souvenirs, monsieur le vice-ministre. Bon, il ne faut pas venir parler pour parler. Il faut qu'il y ait un message à envoyer aux gens. Donc, ce qui fait que pendant les 10 années, j'ai travaillé à autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, l'occasion se présente. Donc, raison pour laquelle je suis là. Et j'ai répondu favorablement à votre invitation. Vous. Mais c'est une chaîne que j'aime beaucoup, dirigée par un grand professionnel, Jean-Pierre Chintois, à qui je rends hommage. Vous représentez les Congolais vivant à l'étranger au sein du gouvernement. On a beaucoup parlé d'eux, hein, et on parlera toujours de ces Congolais de l'étranger. Récemment, on a parlé de la reprise des expulsions des étrangers vivant au Congo-Brazzaville, les actes de xénophobie en Afrique du Sud, la situation au Burundi, finalement les élections en République démocratique du Congo, la situation au Burundi. Vous allez nous donner votre lecture en tant qu'acteur politique, mais également la participation des Congolais de l'étranger au processus électoral. Ils vont voter dans quel mécanisme? Vous allez nous dire tout ça tout au long de cette émission. On commence d'abord par la situation la plus récente, les expulsions des étrangers au Congo, Brazzaville. La reprise finalement de ces expulsions à point noir, est-ce que avant tout vous avez été mis au courant par l'autorité congolaise de la reprise des expulsions massives des étrangers non en règle? Moi personnellement non, je n'ai pas été mis au courant de ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un travail qui se fait depuis un certain nombre de temps entre les deux villes, Brazzaville et Kinshasa. Or, là, maintenant, ça concerne plus seulement Brazzaville, c'est Pointe-Noire et Dolisi. Raison pour laquelle j'ai convoqué aux affaires étrangères, ce qui est la règle, l'ambassadeur du Congo accrédité en RDC. C'était le mardi 19 mai, donc il y a quelques jours. Et je lui ai fait part de nos préoccupations et surtout de notre indignation. Et voilà, donc j'avais dit que ce sont des choses qui ne doivent pas se faire comme ça. Alors que les autorités des deux Congos se sont retrouvées, on a vu hein, Hugo Londele qui a traversé pour rencontrer son homologue André Kimbuta, le gouverneur de la ville. Justement, ils ont évoqué cette question. Et un peu plus tard, les deux chefs d'État se sont rencontrés, même si le communiqué final n'a pas fait allusion à cette question. Mais on croit que Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso ont également évoqué cette question. Pourquoi reprendre aujourd'hui ces expulsions alors que la précédente a été faite sur, on va dire, des conditions inhumaines, pratiquement inacceptables? On a parlé des viols, on a parlé sans pour autant rentrer dans les détails, je pense que le Congo Brazza a quelques problèmes internes à lui. Et je pourrais dire, ils essayent de trouver des... comme ça se passe partout au monde, hein, de dire que la faute vient peut-être des étrangers qui habitent sur leur territoire. J'avais attiré l'attention de l'ambassadeur du Congo Brazzaville ici sur ce fait, c'est que chaque pays est libre de prendre des décisions sur le séjour des étrangers sur son sol. Mais il y a aussi des conventions qui obligent chaque pays à traiter avec dignité les étrangers qui habitent sur leur sol. C'est ce que nous avons rappelé à l'ambassade du Congo Brazzaville accrédité au Congo. Alors, maintenant que l'opération va être effective ou est déjà effective, quelles sont les précautions que vous avez prises
pour protéger nos Congolais, pour qu'ils rentrent, disons, dans, un peu dignement, même s'ils vivent au Congo depuis plusieurs années et sans être en règle avec leur... Nous avons demandé aux autorités de Congo-Brazzaville de prendre contact avec, avec nous, à travers aussi notre ambassade là-bas à Brazzaville, pour que ceux qui ne sont pas en règle soient d'abord signalés auprès des autorités consulaires qui sont à Brazzaville. Ensuite, nous, au niveau de Kinshasa, nous prenons des dispositions pour mieux les accueillir quand ils vont rentrer ici. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Doit-on parler du gel de relations diplomatiques entre les deux pays? Non, on ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là de parler du gel de relations. Mais s'il y a des étapes en diplomatie, et la première étape, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais si nous constatons que vraiment nos compatriotes sont l'objet des maltraitances, et là nous prendrons des dispositions utiles. Mais je pense que toute raison gardée, nous devons rester un peu plus sages, essayer de puiser toutes les voies diplomatiques avant de penser aux positions extrêmes. Et comme vous le savez, les positions extrêmes souvent sont démenties par certains faits. Donc nous restons confiants à la sagesse de nos frères de l'autre côté du fleuve pour qu'ils reviennent à la raison. Bon, en même temps, c'est leur droit d'appliquer leur loi. Peut-être que nous n'approuvons pas, mais c'est leur droit d'appliquer leur loi. Mais nous disons, ils doivent respecter la dignité de nos compatriotes qui sont sur leur territoire. Donc, ils ont, je pourrais dire, l'obligation de les protéger, de les confier à nos services consulaires à Brazzaville, quitte à ce que nos services consulaires puissent les ramener vers Kinshasa. Donc voilà pour l'instant ce à quoi nous nous en tenons. Mais vous savez, cette situation ne concerne pas seulement Brazzaville. Moi, j'ai des rapports de tous nos ambassadeurs disséminés à travers le monde. Nous avons 66 ambassades à travers le monde. Mais les Congolais sont dans plus de 100 pays. Là, j'ai envoyé une délégation du ministère qui était en Amérique latine pour vous dire, il y a des Congolais au Pérou, au Chili, en Argentine, ainsi de suite. Donc, nous allons maintenant voir avec tous les pays avec qui nous avons des relations diplomatiques, les mesures que nous devons prendre pour la protection commune des ressortissants de tous les pays qui sont chez eux et qui sont aussi chez nous. Donc, on ne veut pas, dans un premier temps, appliquer la réciprocité brutale, parce que s'il y a brutalité, le droit international nous donne aussi le pouvoir de faire la réciprocité. Même pas brutale, mais est-ce qu'on pourrait arriver à cette réciprocité? Nous aussi. Bon, nous sommes un pays qui aime accueillir les autres. Nous ne sommes pas sauvages, hein. Je ne traite pas les autres de sauvages, mais nous ne sommes pas sauvages. Il y a aussi des expulsions qui se font du Congo. Hein. Ne pensez pas que nos services de migration, la DGM, si vous allez à l'aéroport de Njili, il arrive que presque tous les jours... J'y arrive. Mais parce que nous, les Congolais de Kinshasa, nous avons la réputation d'être un peuple accueillant. Et ce qui fait que les étrangers qui vivent chez nous vivent paisiblement. Et même ceux qui ne sont pas en règle, nous les traitons avec dignité. C'est ce que j'aime rappeler, surtout dans les pays voisins, où souvent nos compatriotes subissent des exactions, nous leur rappelons que nous, on ne veut pas suivre ce mauvais exemple-là. Nous, on va toujours continuer à traiter les autres avec beaucoup de dignité parce qu'il est de notre honneur, nous sommes un grand pays. On ne va pas se rabaisser à maltraiter les gens. Mais simplement, on leur demande, avant que nous allions dans des étapes beaucoup plus fortes, qu'ils prennent garde de ne pas maltraiter nos compatriotes qui sont sur leur sol. C'est le message que je lance à tous ces pays-là. Je lance même, je vais encore plus loin. Vous savez, on assiste parfois à des scènes macabres quand vous montez dans les avions aux aéroports de Paris ou de Bruxelles où on voit certains de nos compatriotes en voie d'être expulsés, scotchés, alors que ces pays-là se disent des pays civilisés. Eh bien, nous, on a pris langue avec les diplomates de ces pays-là ici pour leur dire que désormais, le Congo n'acceptera plus jamais qu'un seul de ses fils
soit bâillonné et mis dans un avion comme un paquet. Donc, le ministère vient de débuter. Nous avons d'abord pris le temps, la mesure d'étudier tous les dossiers et de tous les phénomènes qui se passent. Et désormais, le Congo va commencer à agir. On prend rendez-vous, voilà. Je vous dis que tous ces mauvais traitements vont cesser. On sait ce que nos compatriotes vont chercher au Congo-Brazzaville. Ils ne sont pas de l'autre côté pour devenir des hauts cadres de la société congolaise. La plupart font des petits métiers, cireurs, vendeurs, etc., domestiques, ce sont des gouvernes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi vous remettre en question en tant qu'exécutif pour trouver une solution et empêcher ces Congolais de traverser par milliers et illégalement au Congo-Brazzaville pour aller chercher survivre. Madame, si vous êtes un grand observateur de la vie sociale, politique du Congo, de la RDC, vous allez constater que nous, le Congo, ne sommes pas un pays de tradition de migration. Le Congolais, jusqu'il y a 25 ans, ne quittait son pays que pour aller étudier, que pour aller travailler, c'est-à-dire dans les institutions comme fonctionnaire, comme diplomate, ou aller en mission. C'est un phénomène qui date à peu près 25 ans. Les dernières années du régime Mobutu, quand on sait toute la gabégie des dernières années du régime précédent, et aussi toutes les guerres que notre pays subit. N'oubliez pas, malgré tous les efforts fournis par le président de la République, il y a encore des attaques contre notre pays. Et le gouvernement de la République était dans l'obligation de mettre beaucoup de moyens pour que l'armée soit renforcée, pour renforcer les capacités de défense de l'armée, pour renforcer la capacité de notre police ainsi que de nos services de sécurité. Donc, ça a créé un déséquilibre dans le budget de l'État, ce qui était tout à fait normal. Il fallait d'abord assurer les frontières du Congo, l'intégrité du Congo. C'était ça d'abord l'objectif. C'est ça d'ailleurs quand le chef de l'État prête serment, le premier serment, c'est d'assurer la paix, l'intégrité et la souveraineté du pays. Et le gouvernement de la République a dû mettre beaucoup de moyens. Ça a naturellement créé un certain déséquilibre sur le plan social parce que beaucoup d'argent était parti sur ce plan-là. Mais temps, ça n'empêche pas le Premier ministre non, de j'y arrive. La stabilisation du cadre macroéconomique. J'y arrive, exactement. Les gens qui sont en train de railler le discours du Premier ministre Matata aujourd'hui ont tort. Parce que la croissance inclusive qui va bientôt arriver à deux chiffres, nous allons voir les effets dans les mois et les années à venir. Vous allez voir que le Congo est en train de retrouver sa dignité. Le Congo est en train de retrouver son allure d'un pays émergent. Donc, ce que fait le gouvernement depuis quelques années, et quand le Premier ministre parle du cadre macroéconomique, nous devons d'abord assurer plutôt le développement sur le plan macroéconomique et après, si sur le plan macroéconomique tout va bien, vous allez voir sur le plan micro économique, vous allez voir que les choses vont aller de soi. Donc, ce sont les efforts que nous sommes en train de fournir. Mais malheureusement, pendant que nous sommes en train de fournir ces efforts, comme vous le savez, il y a des avions, des petits porteurs qui continuent encore à descendre dans certaines pistes à l'est du territoire congolais pour voler encore des matières premières du Congo. Et ceci, la communauté internationale, devant la communauté internationale. Alors, ça déstabilise le pays. Mais vous savez, moi j'ai les statistiques. Quand vous allez voir la plupart de nos compatriotes qui sont actuellement en train de souffrir dans ces pays-là où ils vont, en Afrique du Sud, en Angola, en Zambie, ainsi de suite, la majorité sont des gens qui viennent de l'Est. La plupart viennent de l'Est. C'est-à-dire des zones qui subissent les troubles, les invasions, les vols que viennent commettre certains pays voisins en complicité avec certaines puissances. Donc, le gouvernement de Matata, quand le gouvernement de Matata parle de la croissance, je pense qu'il a tout à fait raison. Cette croissance sera bénéfique. On va voir maintenant les effets dans le social
dans les mois et les années à venir. Donc, c'est ainsi que je lance, c'est vrai. Quand il y a une épidémie, d'abord, ce sont les plus faibles hein, qui meurent. Si on déclare, si je ne souhaite pas pour mon pays, une épidémie se déclenche ici au Congo, vous allez voir, les premiers à mourir sont les plus faibles. Et quand il y a ce genre de situation, ce sont les plus fragiles. Parce que vous, Rachel, je ne vous vois pas quitter ce studio de numérique à télévision pour aller chercher du travail à Brazzaville. Donc, ceux qui quittent, ce sont les plus faibles parmi nous. Même pas en rêve. Voilà. Ce sont les plus faibles parmi nous qui ont tendance à croire que le ciel est mieux ailleurs. Ce sont ces jeunes parmi nous qu'il faut plutôt aider, à qui il faut donner de l'emploi, à qui il faut trouver un financement pour commencer des petits commerces. Ce sont eux plutôt qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'emploi, dans le cadre finalement. Mais justement, je vous dis, madame, c'est ce que le gouvernement de Matata est en train de mettre en place. Très bien, monsieur donc, le ministre. Donnez-nous un peu de temps. Okay. Et je prends le pari, d'ici une année, deux ans, le Congo va rejoindre le club des pays émergents. D'ici une année, on espère qu'on ne parlera plus du gouvernement Matata, ma foi. Parce que l'année le prochaine, gouvernement de la République, vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Voilà. Donc nous sommes là pour travailler pendant un moment et le relais sera fait naturellement par d'autres citoyens. Pourquoi pas vous ? Monsieur le ministre, venons-en à la situation de la République sud-africaine qui a fait parler d'elle récemment avec les actes de xénophobie subis par les étrangers vivant en Afrique du Sud. Les Congolais de la République démocratique du Congo n'ont pas été épargnés par ces actes. Vous avez suivi. Quel a été d'abord votre commentaire par rapport à ces actes de xénophobie en tant qu'homme d'État, en tant qu'acteur politique? Non, je n'ai pas eu de commentaire, j'ai agi. Ouais. J'ai agi. Il y a l'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui a été convoqué ici. Nous avons écrit dans le cadre de relations bilatérales aux autorités sud-africaines pour leur rappeler au devoir de solidarité. Ce qui a été fait. Et comme vous le savez, il y a maintenant une accalmie en Afrique du Sud. Donc nous avons agi. Vous savez, on ne doit pas non plus, les gens ne doivent pas non plus s'attendre que chaque fois qu'il y a un problème comme ça, que vous voulez quoi, qu'on prenne nos avions de combat pour aller bombarder ces pays-là. Non, il y a des mécanismes, diplomatiques efficaces que nous employons pour mettre fin à cela. Nous avons mis une pression énorme sur l'Afrique du Sud en leur rappelant aussi l'histoire de ce que notre pays, notre contribution pour l'éradication de l'apartheid dont a beaucoup souffert le Sud-Africain, blanc et noir hein, peut-être aussi. Mmh. Mais l'action du gouvernement se fait tous les jours et même se fait hors des caméras et des micros. Donc tous les jours, le gouvernement de la République agit. Donc nous avons des instructions du Premier ministre agir, ainsi que du président. Agir, c'est aussi assister moralement, physiquement ces Congolais de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo qui s'étaient déplacés, réfugiés quelque part hein, en Afrique du Sud, à Djougou, à Pretoria, un peu partout. Vous, on vous reproche de ne vous être pas déplacé pour aller en Afrique du Sud réconforter ces compatriotes qui sont de l'autre côté. Pourquoi vous n'avez pas fait le déplacement de l'Afrique du Sud? C'est ce qu'on vous reproche. Je trouve que ce reproche est un peu exagéré. Alors que votre ministre avait déjà signé l'ordre de mission hein, oui, mais, pour aller en Afrique du Sud. Vous savez, il y a traîné à Kinshasa. Non, un ministre ne quitte pas le territoire national de son gré. Hein. Donc, comme je suis membre du gouvernement, je ne peux pas décider du jour au lendemain de dire voilà, je quitte Kinshasa pour aller à Brazzaville ou à Paris. Donc, il y a un mécanisme. Mais c'est qui décide, puisque vous aviez déjà un ordre de mission il y a... signé. Non. Un vice-ministre ne se déplace pas sur ordre de mission d'un ministre. Un membre du gouvernement ne se déplace que sur ordre du chef du gouvernement. Okay. Et il n'y a qu'un seul chef du gouvernement. Donc, c'est Matata Ponyo qui ne vous a pas permis de pouvoir vous déplacer. Non. Disons les choses clairement. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Oui, j'arrive.
le chef du gouvernement avait donné des instructions claires, m'avait donné des instructions claires, et nous avons instruit notre ambassadeur à Pretoria, M. Benepoko, qui a pu, on a envoyé les moyens, aller demander à nos compatriotes, ils ont reçu de l'argent, des couvertures, de la nourriture, et on a pu les sécuriser. Ça, c'est une réalité. Voilà, nous avons agi. Donc, c'est Matata Ponyo qui ne nous a pas permis, ce qu'on comprend, de vous déplacer, puisque c'est vous, hein, c'est vous que l'on voit. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger qui ne s'est pas déplacé pour aller assister moralement le compatriote en Afrique du Sud. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger est un membre du gouvernement et il travaille sous l'autorité d'un Premier ministre. Le Premier ministre a mis les moyens financiers qui ont été envoyés en Afrique du Sud pour essayer d'assister nos compatriotes. Vous avez eu des assurances claires de la part du gouvernement sud-africain qu'on ne reprendra plus ces actes de xénophobie? Vous savez, ce qui s'est passé en Afrique du Sud n'était pas le fait du gouvernement sud-africain. C'était qui était un État fédéral. Hein, voilà. À peu près. Dans le KwaZulu, il y a un chef coutumier, je crois le roi du KwaZulu, qui a décidé que les étrangers qui étaient sur cette partie de l'Afrique du Sud devaient quitter. Voilà. Mais qui a nié par la suite. Hein. Non, il ne peut pas nier. Non. Il a reçu tellement de pression de tous les Africains. D'ailleurs, vous avez l'image du président Mugabe qui refuse de lui serrer la main. Donc, c'est pour dire qu'ils ont reçu les pressions de tous les Africains dans ce domaine-là. Et cela a été fait. Donc, sur ce, il n'y a aucune inquiétude. Nous travaillons peut-être en coulisses. Je sais que vous, les journalistes, vous aimez à ce que les images puissent être tournées, que le vice-ministre est en train de donner un gobelet d'eau à un enfant. J'aimerais bien le faire, mais il y a aussi certains impondérables au niveau national qui ont fait que j'étais dans l'obligation de rester au pays. On en vient maintenant au processus électoral. Dans la perspective des futures échéances électorales, la CENI prévoit l'enrôlement plutôt de Congolais de l'étranger. Mais est-ce qu'on a une idée des nombres de nos compatriotes de la diaspora? Une idée peut-être, à peu près. Non, jusque-là, nous sommes dans les estimations. Voilà. On estime à 8 millions de Congolais vivant à l'étranger. C'est une estimation. Mais nous allons mettre fin à cela avec l'instauration bientôt de la carte consulaire biométrique. Cette carte consulaire permettra à ce que nous puissions savoir combien de compatriotes vivent réellement à l'étranger. Et l'opération va être lancée dans les jours à venir. Et je pense que dans les 3 à 4 mois qui viendront après le lancement de l'opération, nous serons à mesure de dire à peu près combien de Congolais vivent à l'étranger. Ces Congolais vont participer à tous les scrutins prévus par, dans le calendrier global publié par la CENI, où il y a... Les élections locales sont par naissance locales. Les élections de chefferie, à ce que je sache, il n'y a pas de chefferie de Congolais à Paris ou à New Delhi. Donc, les Congolais vivant à l'étranger participeront à la prochaine élection présidentielle. Je veux vous poser cette question avant que l'on aborde la question, la reste des questions sur la participation des Congolais de l'étranger, notamment la problématique des combattants. Monsieur le vice-ministre, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions qui vous ont été confiées, vous en tant que vice-ministre des Affaires étrangères chargé de Congolais de l'étranger? C'est d'assurer les Congolais vivant à l'étranger, de remettre les liens avec la mère patrie, parce que c'était une de leurs récriminations. Ils avaient, à tort ou à raison, mais plus à raison, parce que moi-même, j'ai longtemps vécu à l'étranger, j'ai vécu longtemps en France où j'ai fait mes études. Les Congolais avaient l'impression d'être abandonnés, alors que les Congolais de l'étranger, alors qu'ils participent énormément à la paix sociale au pays,
à travers les fonds qu'ils envoient ici au pays. Donc, raison pour laquelle ils avaient quelques récriminations. Certains, comme dans toute famille, ont cru que c'était bien d'exprimer ça avec la violence. Ce que moi, je reprouve. Des combattants. Enfin, bon, combattants, oui. Bon, moi, je dirais, je ne sais pas si on est combattant de quoi. Je pense que quand on combat, c'est pour la liberté, c'est pour l'indépendance de son pays. On ne combat pas pour la liberté, l'indépendance de son pays en s'attaquant à ses propres frères parce que tel journaliste, parce qu'il y a des jeunes qui ont eu à subir leurs attaques, tel artiste musicien qui est en train de faire son métier de chanter, je ne sais pas en quoi vous êtes combattant, si vous allez donner quelques coups de poing, je ne sais pas en quoi vous êtes combattant, si vous allez vous attaquer physiquement à un chroniqueur de musique qui est en séjour à Paris. Là, vous n'allez pas vous dire combattant. Vous êtes combattant en quoi, quand vous entrez dans une ambassade qui est un bien commun, qui appartient à toute la République, vous allez vouloir la saccager, mettre le feu. Ça, je n'appelle pas ça combattant. Je dis simplement, certains d'entre nous, les Congolais vivant à l'étranger, ont eu une réaction virile. Mais il y en a qui sont actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui étaient dernièrement à Kinshasa. Nous les avons reçus. Nous avons discuté avec eux. On leur a montré le Congo. Bon, certes, Kinshasa dans un instant, pour l'instant, pour leur dire, est-ce que vous voyez où on est en train de tuer les gens ici? Non. Et depuis votre installation, depuis votre nomination, j'allais dire, vous avez déjà rencontré ces Congolais, mais particulièrement ces combattants. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Je vous dis que j'ai reçu le fameux Rex Kazadi. Parce qu'il est venu ici. Je l'ai reçu. Oui, je vous le dis, je l'ai reçu. J'ai reçu certains. J'avais fait escale à Bruxelles en route pour la Lituanie. J'ai reçu un certain nombre de compatriotes parmi eux. Parce qu'il n'y a pas que. Hein. C'est une minorité, ce qu'on appelle combattants. Ce n'est pas la majorité des Congolais. Je tiens à vous le dire. J'en ai reçu à Bruxelles. Dernièrement, j'étais à Paris pour un contrôle médical. Mais j'en ai profité pour rencontrer des compatriotes, dont certains combattants avec qui j'ai échangé librement. Et je vous signale, quand je suis à Paris, comme je suis un vieux parisien, je continue de prendre le métro et le bus. Donc c'est pour dire, ah non, il ne faut pas rouler, il ne faut pas prendre ceci pour sortir. Ce sont nos compatriotes avec qui nous discutons et nous continuons de discuter à travers même les réseaux sociaux. Donc les échanges sont là, il n'y a pas coupure. On a repris les liens. Certains d'entre eux sont actuellement à Kinshasa, venant de l'Afrique du Sud. Nous en avons reçu quelques-uns et nous continuerons à dialoguer avec tous nos compatriotes, quels qu'ils soient. Ça ne vous pose aucun problème que ces Congolais qui vivent à l'étranger reviennent au pays sous votre protection, on va dire? Bon, pourquoi vous parlez de protection? Ils reviennent au pays. S'il y en a certains qui ont posé des actes délictueux, qui demande à ce qu'il soit traduit à la justice, libre à la justice de faire ça. C'est la loi qui protège les Congolais. C'est pas le ministre, c'est la loi qui protège les Congolais. Et c'est aussi la loi qui condamne les Congolais qui ne respectent pas les lois. Donc, je n'ai pas à protéger d'une façon distincte tel ou tel autre. Finalement, ils vont participer aux élections, mais on sait que la plupart de nos compatriotes qui sont à l'étranger ont la nationalité de leur pays d'accueil. Est-ce qu'en les amenant à voter, l'État ne consacre-t-il pas la double nationalité, la reconnaissance à la double nationalité? Madame, d'abord, ce que vous dites n'est pas vrai. La loi électorale qui a été adopté par le gouvernement le 5 janvier 2015 et présenté au Parlement, et les deux chambres réunies ont pu voter cette loi, dit que les Congolais vivant à l'étranger ont désormais le droit au vote. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Être détenteur d'un passeport congolais et d'une carte consulaire. Donc, pour avoir la carte consulaire, il faut être congolais. Il faut avoir encore le passeport congolais. Donc, ceux qui ont des passeports
zimbabwéens, italiens, belges, américains, ceux-là ne prendront pas vote. Maintenant, puisque vous parlez de la double nationalité, moi je dirais de la multinationalité, une des recommandations, je pense que c'est la recommandation numéro 3 de concertation nationale, dit ceci, parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Donc, laisser, donnons du temps au temps, au Parlement, il y a une loi qui sera déposée au Parlement, peut-être à la prochaine session, puisque la session de mars s'achève bientôt, et c'est aux parlementaires d'étudier cela pour voir comment on peut mettre ça en application. Mais l'esprit... On n'est pas en retard par rapport aux autres pays, à nos voisins qui reconnaissent à l'unisson la double nationalité par rapport à l'évolution du monde. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas en retard? Personnellement, je dirais... Sur l'exclusivité de la personnellement, nationalité. Je dirais, laissons à chaque pays évoluer à son rythme. Alors, ces Congolais de l'étranger, monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger, il y a Rex Kazadi qui est venu ici au Congo Kinshasa. Vous avez dit que vous l'avez rencontré. Est-ce que vous partagez finalement son point de vue quand il évoque les faits qui l'ont poussé à rejoindre les camps des combattants? Et quel est particulièrement le message que vous lui avez transmis pour ses frères ou les autres Congolais qui sont restés, puisqu'on a, on a appris qu'il est rentré en France où il réside? Mais je pense que lui-même, au fond de lui-même, il a... Ce qu'il pensait que nous sommes un pouvoir de tueurs, qu'à Kinshasa, les gens dorment dans la rue, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de col, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de cela. Il a été édifié au fond de lui. Il a été reçu, pas seulement par moi, par d'autres personnalités. Personne ne lui a fait du mal. Nous lui avons donné des conseils qu'il a intérêt à suivre parce qu'il a l'ambition d'avoir une carrière politique. Et quand on veut avoir la carrière politique, on doit apprendre à être modéré. C'est ce que nous lui avons dit. Que tout combat, ce qu'il appelle combat, il appelle son combat, doit savoir connaître une mutation. Si vous ne savez pas muer dans la vie, vous allez tout droit à l'échec. Ce qui est rigide se casse facilement. C'est le conseil que nous lui avons donné en tant qu'ancien. Et j'espère qu'il a compris ce conseil-là. Ça ne sert à rien, vous savez, nous tous jeunes, moi j'ai fait du judo, nous tous jeunes, nous nous sommes battus aussi dans des combats de rue. Mais il arrive un moment donné aussi où il y a le combat de rue, il y a aussi la stratégie pour arriver à quelque chose en douceur. C'est ce que la philosophie chinoise dit, le Sun Tzu. Comment plier l'adversaire, faire plier l'adversaire sans qu'il y ait un combat physique? Donc c'est ce qu'un homme politique qui est intelligent est amené à faire. Et nous avons donné conseil à notre jeune compatriote que c'est ce qu'il a intérêt à faire. Parce que la violence amène la violence, et surtout que c'était la violence physique. Et à Kinshasa, il y a des loubards, il y a des jeunes qui sont plus costauds que lui, qui peuvent aussi lui régler son compte. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Et qu'il a bien compris que nous sommes un peuple de paix. Nous ne sommes pas comme dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde où les gens se mettent des bombes. Et nous ne sommes pas ça. Donc nous sommes un peuple pacifique, un peuple de paix, de tolérance. Le débat, tout à l'heure vous avez parlé de dialogue, ce que prône le chef de l'État. Nous devons être en dialogue permanent. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre ADN à nous Congolais depuis 1961. La conférence de Coquilatville, c'était déjà le premier dialogue juste après l'indépendance entre Congolais. Et nous devons continuer toujours à dialoguer, même quand on a des élections paisibles, même quand il y a un vainqueur, il doit toujours continuer à dialoguer parce que c'est dans notre culture bantou de continuer de dialoguer avec son frère, avec sa sœur. Donc c'est ça ce que nous prenons. On vous a vu récemment effectuer une visite officielle au Maroc pour aller
bénéficier, on va dire, tirer les leçons ou l'exemple du Maroc pour la participation des Congolais de l'étranger en rapport avec les élections. Vous avez été voir votre collègue, disons, le ministre marocain de Congolais, chargé de Congolais de l'étranger. Qu'est-ce que vous avez tiré finalement de cette visite officielle concrètement, que vous allez appliquer dans le cas congolais, si élection il y aura, bien entendu. Que nous sommes déjà en train d'appliquer. Ouais. C'est un exemple édifiant. Nous allons commencer à mettre en place les mesures. D'abord, un, les Congolais vivant à l'étranger, nous devons les sécuriser. Quand je parle de sécuriser, c'est-à-dire au niveau des lois. Quand nous installons la carte consulaire biométrique, c'est pour déjà que nous puissions savoir. C'est une banque de données qui va nous servir à savoir combien y a-t-il d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés, de mères au foyer, de tous les métiers qui existent dans le monde, pour que demain, le Congo puisse aussi concourir à la fonction publique internationale. Comme vous le savez bien, quand vous voyez ici ce qui représente le Programme Alimentaire Mondial, l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUD, la Banque Mondiale, tout ça, ce sont des Africains, mais il n'y a pas beaucoup de Congolais. Il n'y a presque pas de Congolais. Eh bien, c'est une anomalie que nous allons essayer de juguler. À partir de l'exemple que nous avons vu au Maroc, la captation de ce que nos compatriotes envoient de l'étranger, on parle de 9 à 10 milliards de dollars que nos compatriotes. Or, quand cet argent arrive au Congo, il va dans la consommation. Mais nous allons voir maintenant comment faire à ce que, quand nos compatriotes envoient de l'argent, que nous puissions créer un fonds de promotion des investissements des Congolais vivant à l'étranger. Pourquoi pas demain créer des cités à travers le pays, non seulement à Kinshasa, à Matadi, à Kalemi, à Bumba, à Kasumbalesa ou à Lupatapata. Créer une banque d'habitat à travers les fonds que les Congolais de l'étranger envoient, pour que demain, les Congolais de l'étranger puissent avoir des maisons. Parce que souvent, nous qui voyageons souvent, beaucoup à l'étranger, quand vous rencontrez un ami, un cousin qui est là depuis 20 ans, 30 ans, il dit, mais, Okoya qui nous connaît, ah, naoula la wapi. Eh bien voilà, nous devons travailler maintenant pour que demain, qui est comme j'ai vu au Maroc, j'ai vu au Sénégal, des maisons, des cités, où habitent, dont les maisons appartiennent aux Marocains, aux Sénégalais de l'étranger. Nous avons un autre problème, enfin, que nous comptons régler. Nous avons beaucoup de cadres à l'étranger, des jeunes surtout, qui terminent les universités. Mais quand vous venez ici, dans les banques, les sociétés de téléphonie, pour parler, les sociétés minières, on trouve encore des cadres expatriés. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons mettre en place une politique, c'est une politique gouvernementale, c'est pas seulement moi. Essayer d'attirer les nôtres qui habitent là-bas, qui viennent, même si on peut donner des contrats à durée déterminée, de dire voilà, ils peuvent venir travailler pendant 3-4 ans, pour qu'ils puissent s'imprégner encore de la culture de ce pays, parce qu'on perd aussi parfois quand on est parti, et aussi nous apporter l'expertise. Alors, au lieu de faire venir un Belge ou un Français pour qu'il vienne travailler à la SCPT, pourquoi ne pas faire venir un jeune Congolais qui a étudié dans la même université que ce jeune Français ou Belge? Bon, voilà, c'est une politique générale. Et ça, à travers la carte biométrique, nous aurons une banque de données qui nous permettra de savoir, voilà, nous avons dans tel ou tel pays des jeunes Congolais qui sont aptes à venir apporter leur expertise à notre pays. Il y a un autre phénomène. Si vous allez à Paris, à Bruxelles, vous allez voir dans le marché Château Rouge à Paris ou à Matongé, porte de Namur, vous allez voir que toutes les boutiques où on vend de la nourriture congolaise sont tenues par des Chinois, par des Arabes, par des Pakistanais. Ce n'est pas normal. Parfois des Ivoiriens. Oui, mais nous voulons que à travers le fonds de promotion et d'aide aux Congolais vivant à l'étranger, pourquoi pas créer une coopérative afin que le Congo, la bannière étoilée du Congo, soit représentée, que nous ayons des boutiques appartenant à des Congolais, que nous allons aider, donner des moyens, prêter de l'argent
pour que, au lieu qu'on voit nos concitoyennes, là, nos femmes congolaises en train de courir parce que la police vendre la sauvette, au moins il y aura des boutiques qui appartiennent à des Congolais et avec le drapeau congolais à Paris, à Bruxelles, à New York, partout au monde. Nous avons un autre problème, ce que nous réglons en tant que ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais d'étrangers, le problème de nos compatriotes qui subissent des violences sexuelles en Afrique de l'Ouest, qui subissent de l'esclavage sexuel au Moyen-Orient. Comme vous, si vous ne le savez pas, ces femmes qui partent de bonne foi mariées à des gens de pays de l'Afrique de l'Ouest, je le dis parce que j'ai des témoignages. Et arriver là-bas, se retrouvent dans des situations qui ne correspondent pas. Et pour eux, vous allez faire quoi concrètement? Ben, concrètement, nous allons, avec les organisations internationales, voir dans quelle mesure d'abord celles qui sont abandonnées là-bas, les rapatrier. Nous allons dénoncer auprès des Nations Unies. Il y a une conférence, j'espère que je peux m'y rendre au mois de juin, à New York, pour ça. Nous allons dénoncer cela afin que l'ONU exige à ces pays-là que nos sœurs congolaises qui se trouvent dans certains pays du Moyen-Orient reviennent au Congo. Nous allons nous battre, nous n'allons pas cesser, nous allons nous battre en tant que vice-ministre congolais de l'étranger afin que nos sœurs reviennent au pays dans la dignité. Monsieur, donc voilà, entre autres, c'est large hein, ce que nous devons faire. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Bonne chance. On a parlé, on parle de plus en plus de la tenue, l'organisation d'un dialogue en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes favorable pour l'organisation d'un dialogue? Si oui, les Congolais de l'étranger participeront-ils à ce dialogue? Comment? Les Congolais de l'étranger sont Congolais d'abord, oui. N'est-ce pas? Donc, s'il y a un dialogue qui concerne les Congolais, oui, pourquoi pas, ils vont venir nous parler de ça. De problèmes qui existent. Ils ne parlent pas seulement de problèmes qui, eux, ils vivent, ceux qu'ils connaissent, mais ils parleront aussi des problèmes qu'il y a ici. Parce que quand ils envoient l'argent ici pour que les enfants aillent à l'école, quand ils envoient l'argent pour que quelqu'un soit soigné à l'hôpital, quand ils envoient l'argent pour un deuil ou un mariage, ou je ne sais pas ils quoi. Ils vont participer, oui, comment? Mais ils ont participé aux concertations nationales. Donc voilà, par les mêmes mécanismes. Par les mêmes mécanismes. Mais ceci dit, je vous ai parlé tout à l'heure ici. Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Et dès le 25 janvier 1961, il y a eu le conclave de l'Ovanium, où les hommes politiques congolais se sont rassemblés. C'est ça le dialogue. Il y a eu la conférence de Cotlatville Mbandaka actuellement, où même Tshombe, qui était leader du Katanga, sécessionniste, est venu. Voilà. Ce sont des preuves que nous, Congolais, nous sommes un peuple appelé à dialoguer tout le temps. Nous dialoguerons autant que possible pour que le pays soit un pays de paix, d'harmonie et de développement. Donc, c'est ça le rôle que nous avons, et c'est un rôle auquel nous nous soumettons avec beaucoup de rigueur et beaucoup de joie. Donc ce dialogue, oui, il y a eu des concertations. Il y a eu des concertations, il y a eu des Congolais de l'étranger qui ont participé à ces concertations. J'ai vu dans votre suite, il y a un Congolais de l'étranger qui a participé hein, à ces concertations, qui vous a accompagné. Monsieur le vice-ministre, cette fois, s'il faut dialoguer, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour quelle finalité? Il y a eu plus de 700 recommandations lors des concertations nationales, des recommandations qui peinent à être mises en application, sauf quelques 2-3. Ce gouvernement est issu, c'est un gouvernement de cohésion nationale, mais c'est un gouvernement qui a été formé une année après les concertations nationales. S'il faut dialoguer cette fois, c'est pour aboutir à quoi? Ben, quand nous avons fait les concertations nationales, un certain nombre d'entre nous, de nos compatriotes, étaient restés dehors. Ils n'ont pas participé. Nous avons fait les concertations. Mais certains d'entre eux, maintenant, commencent à demander, à dialoguer avec nous. Et bien voilà, nous ouvrons cette porte afin qu'ils viennent et que ce dialogue ait lieu. Donc nous allons dialoguer sur le sujet qu'eux, ils veulent. Bon, ils parlent des élections. Que les élections soient des élections apaisées. Bien, nous tous, nous voulons que les élections soient apaisées. Bon, s'ils ont... Le résultat, c'est quoi? C'est que les élections soient apaisées.
Bon, s'ils ont des voix qui trouvent que ce sont des voix meilleures que ce que nous proposons, eh bien, nous allons écouter. Et s'il faut qu'on suive ces voix-là, eh bien, nous allons les suivre. C'est ça le dialogue auquel nous sommes amenés à nous rassembler. Monsieur le vice-ministre, on a pratiquement terminé cet entretien. Deux, trois questions petites avant de boucler. Tout à l'heure, je vous ai suivi très bien. Vous avez dit que vous avez vous-même vécu pendant longtemps à l'étranger, en France. J'ai étudié en France. Vous avez étudié en France. Ça veut dire que vous avez des relations avec les autres Congolais qui étaient également là-bas. Henri Movasakani, vous l'avez connu? Non, Henri Movasakani, il a étudié à l'université de Lubumbashi. Vous l'avez connu quand même, vous le connaissez? Non, Henri Mova, je l'ai connu ici à Kinshasa en 97, dans la suite de Mzé Laurent Désiré Kabila. Dans le premier gouvernement de Mzé, il a été ministre des Transports. Donc, c'est à cette occasion que je l'ai connu. Donc, voilà, c'est un homme, un intellectuel. Il aime bien écrire comme moi. C'est un poète. Donc, voilà. Voilà. Et moi aussi, je suis un écrivain. Et c'est ça qui nous réunit. Et aussi, la philosophie. Un diplomate aussi. Oui, mais je suis un écrivain. Je suis auteur de plusieurs livres, dont Regard sur la RDC, préfacé par le président Joseph Kabila Kabange. Donc, entre autres. Et puis j'ai été pendant longtemps le directeur de publication et de la rédaction du magazine officiel de l'Assemblée nationale qui s'appelle La Session. Donc c'est pour vous dire que l'écriture, je sais ce que c'est. Alors Henri Movasakani est du même milieu que moi. Nous avons la même philosophie de vie et aussi la même philosophie politique. Nous avons les valeurs de gauche, les valeurs de solidarité, de liberté. Et ça me réjouit énormément qu'il soit aujourd'hui secrétaire général du PPRD, soit aujourd'hui à la tête de ce grand parti qu'est le PPRD. Ce n'est pas un grand troubin, c'est pas quand même, il n'est pas comme les autres. Lui, c'est quelqu'un de très modéré. Est-ce que vous le connaissez pas? Donc vous ne savez pas le connaître parce que vous le traitez à travers la dernière fonction qu'il a occupée d'ambassadeur. Et vous savez, un ambassadeur a droit à la retenue, mais nous qui le connaissons sur le plan de la parole, il est très volubile et très intelligent. Merci beaucoup monsieur Antoine Boyamba d'être passé sur notre antenne. On a terminé cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être adressé à tous ces Congolais qui vous suivent, puisque l'émission est également suivie à travers les réseaux sociaux, YouTube également? Oui, ce que j'aimerais dire à nos compatriotes disséminés à travers le monde. D'abord, de bien se comporter dans les pays où ils vivent. Ceux qui sont en difficulté concernant les titres de séjour, je leur dis fraternellement, au lieu de subir les brimades, les vexations, je leur dis en toute fraternité qu'ils reviennent au pays. Aujourd'hui au Congo, sur le plan politique, il y a une vraie démocratie, ce qu'on ne trouve pas exactement dans la sous-région. Sur le plan économique et social, le gouvernement est en train de fournir des efforts incommensurables. Donc, le fruit de la croissance commence à devenir jaune. Il était vert, il commence à devenir jaune. Qu'ils aient foi à leur pays, qu'ils aient foi au gouvernement. On ne peut être heureux qu'ici au Congo, parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée. C'est ça le message que je veux leur lancer. Quand vous êtes à Kinshasa ici, vous passez, vous voyez, il y a une foule de gens en train d'attendre le transport, comme on dit. Mais si vous repassez par là une heure plus tard, il n'y a plus personne. Donc, tout finit par s'arranger. C'est chez nous ici. C'est le sol que Dieu nous a donné. Et nous avons le devoir de le travailler. Je sais que le plus faible d'entre nous ont moins de résistance, ont moins de patience. Mais je leur demande de venir. Le gouvernement est là, la République est là, l'État est là pour les secourir, pour les protéger. C'est le message que j'ai à lancer à nos compatriotes. Et surtout aussi, de prendre soin aux biens communs qui appartiennent à la République. Les gens qui avaient pillé, brûlé la commune de Ngaba, aujourd'hui, quand on leur demande les papiers pour leurs frères qui sont
à Brazzaville pour qu'on puisse régulariser. Ils vont trouver ça où le certificat de naissance, ils ont brûlé la commune. Ceux qui veulent brûler l'ambassade à Paris, à Bruxelles, à Rabat, ainsi de suite. Mais ces ambassades n'appartiennent pas à nous individuellement. Ce sont des biens communs. C'est ça. Il faut sauvegarder les biens communs de la République. Ce sont des biens qui appartiennent à nous tous. Voici le message que j'avais lancé. Merci beaucoup. C'est par ce message d'appel du vice-ministre des Affaires étrangères chargé de Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, mesdames et messieurs, que nous bouclons cet entretien sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe hein, qui m'a accompagné ce soir. Je vous retrouve le lundi prochain avec un nouvel invité. Cette émission sera rediffusée sur les antennes de Numérica le mercredi à partir de 10h15. Portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur notre antenne. Bonsoir.